L'émission Pépite d'entreprise vous est offerte par Coris Banque International. Suivez Pépite d'entreprise avec Canaplus Burkina. Bonjour à toutes et à tous, salut à vous, chers amis téléspectateurs de la télévision BF1. Vous êtes sur la première audience télé au Burkina et vous faites très bien. Nous voici encore une fois réunis pour la suite de Pépites d'entreprise. Pépites d'entreprise, c'est cette compétition qui réunit les jeunes gens porteurs de projets et d'idées. Ils sont venus de tout le Burkina pour continuer l'aventure pour réaliser leurs rêves. Aujourd'hui, nous sommes avec ces pépites qui sont avec nous ici. Ils vont se signaler à vous, chers amis téléspectateurs. Pépites ! Voilà, ils sont là, ils sont bien là. Et juste à côté de moi, nous avons un invité de taille. Eh bien, lui, c'est une sommité du monde du marketing et de la vente au Burkina Faso et en Afrique. Il est venu au nom d'un partenaire qui accompagne cette aventure. Il s'agit de Canal Plus. Et celui qui nous rejoint est le directeur des ventes de cette structure. C'est nul autre que Monsieur Zorom Boukari, que nous allons applaudir très très fort. Alors, Monsieur Zorom, bonjour. Bonjour, Herman. Voilà, bienvenue. Merci. Alors, déjà, vous dire merci donc d'avoir accepté, accompagner ce projet Pépite d'entreprise. Merci grandement à vous. C'est moi le merci. D'accord. C'est l'honneur. Et aujourd'hui, vous avez accepté de venir échanger avec les Pépites. Oui. Et répondre à leurs questions. Tout à fait. Voilà, donc je vous laisse avec eux. Est-ce que je vais pouvoir, parce que je suis un peu intimidé déjà, quand je vois, quand je vois l'audience, l'illustre audience devant là, moi je commence déjà à vouloir me rétracter. Il ne faut pas partir, il faut rester à côté pour m'aider. Je reste juste à côté, mais pas pour aider, mais pour prendre note. Merci. Voilà, applaudissements pour M. Zorom Boukari qui va s'entretenir avec vous. Et surtout, ouvrez grandement les oreilles, même vous, chers téléspectateurs de chez vous, vous pourrez en apprendre des choses. Merci Herman. Je vais commencer par une histoire. Je suivais une vidéo sur TikTok. C'est l'occasion aussi de dire que TikTok, ce n'est pas seulement pour les divertissements, un peu chambrer les gens, mais aussi des vidéos instructives. Donc, c'était une interview de Bill Gates. Donc, Bill Gates, qu'on connaît, qui est le fondateur de Microsoft. Donc, il n'est plus, c'est vrai, à la tête, mais c'était le fondateur. Et la personne qui a fait l'interview lui demandait de comparer Steve Jobs, donc le fondateur de Apple, décédé malheureusement, et Elon Musk. Donc pour ceux qui suivent l'actualité, c'est celui qui est le propriétaire de Tesla, celui qui est en train d'envoyer les fusées dans l'espace, mais avec la particularité de pouvoir réutiliser les fusées, parce qu'à une époque, quand on envoyait les fusées, on ne pouvait pas les réutiliser. Mais lui, aujourd'hui, il a mis en place une solution qui permet de pouvoir réutiliser les fusées, c'est économique, ça permet de pouvoir faire beaucoup de voyages. Donc il demande, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, Elon Musk est le nouveau Steve Jobs? Et Bill Gates qui répond, et pour ceux qui connaissent un peu l'histoire d'Apple et Microsoft, ils se sont beaucoup battus à l'époque, quand je vois. Donc, ce n'est pas des ennemis, mais c'était des concurrents. Mais c'était pour la bonne cause, parce que la concurrence se bat pour le même client et à la fin, on rend service à la société. Donc, lui répond que c'est difficile de comparer Steve Jobs avec Elon Musk. Elon Musk, effectivement, c'est un ingénieur, il fait des choses. Mais Steve Jobs, c'est à la fois le génie, le marketing, le management, le design. Donc, quand vous mettez ces deux dans la maison, quand vous arrivez, vous voyez automatiquement la différence. Donc, en 30 secondes, il a résumé ce que moi j'appelle l'entrepreneuriat. Donc, c'est le génie, c'est la vision, c'est le design, c'est le management, c'est le marketing, c'est la vente. Pratiquement, c'est tout. Et pour moi, c'est un grand honneur d'être là ce matin pour pouvoir échanger avec vous sur un sujet aussi important dans le monde, mais beaucoup plus particulièrement au Burkina Faso. Vous qui êtes les entrepreneurs, vous êtes les bâtisseurs de la nation. Donc, je ne peux qu'être fier de pouvoir être devant cette illustre assemblée et de pouvoir échanger avec vous sur ma petite expérience. Herman a exagéré, il ne faut pas l'écouter. Il a beaucoup exagéré sur ma petite expérience. Je ne suis pas un expert. Parce que si je suis un expert, il y a deux choses qui peuvent se passer. La première des choses, c'est que je vais donner l'impression d'être Dieu. J'exagère en disant Dieu. Donc, que tout ce que je dis, c'est parole d'évangile.
Et vous également, vous aurez l'impression qu'on ne peut pas contredire, on ne peut pas challenger, on ne peut pas discuter. Donc, je ne suis absolument pas un expert. C'est juste l'occasion que j'ai d'être devant vous pour échanger. Donc, j'aimerais aussi apprendre de vous qu'on puisse partager, échanger, challenger les idées qui, vont être discutées ce matin. Donc, je m'appelle Boukari Zorom, directeur de vente de Canal Plus Burkina, effectivement, marketeur de formation. Bon, je me débrouille un peu. Et je suis aussi passionné de tout ce qui est digital, technologie, si fait que je tiens un blog dans lequel je partage mes expériences, mes connaissances et mes recherches sur le sujet. Et très content d'être là ce matin. Et je voudrais d'abord commencer par vous remercier. Vous remercier de pouvoir me donner l'occasion de parler devant vous. Merci aussi à BF1 pour cette initiative. Je suis effectivement les émissions à la télé. C'est ce qu'il nous faut. C'est l'entrepreneuriat qui va bâtir. Je lisais dernièrement un article où on dit que Samsung représente environ 20% du PIB de la Corée du Sud. La Corée du Sud, c'est un pays qui est très puissant parce qu'elle a des entreprises qui sont très puissantes. Apple, c'est 2 trillions, donc je ne sais pas si le mot existe en français, mais c'est milliards et milliards de valorisation. C'est des pays et des entreprises réunies. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Amérique est puissante parce qu'ils ont des sociétés qui sont puissantes comme Apple, Google, etc., etc. Donc, la puissance et le rayonnement de notre pays sera fait par les entrepreneurs qui vont pouvoir s'imposer aussi bien sur le plan économique, social que politique. Parce que quoi qu'on dise, la politique et l'économie, OK, on ne sait pas qui influence qui, c'est qui, est-ce que c'est qui avant qui, c'est l'œuf avant la poule avant l'œuf, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, il y a une relation de vase communicant et l'entrepreneuriat, c'est ce qui va demain relever notre pays. Et c'est ce qui fait que votre contribution, pour moi, elle est énorme. Et j'ai vu 2 ou 3 présentations. Ça a une fierté que je les écoute et j'aimerais bien commander des sacs et des épices. Donc, notamment les gingembre, on boit beaucoup de thé, plein de choses où avec un petit conditionnement, c'est facile à utiliser, on peut le mettre dans un sac, ça ne va pas se répandre partout. Donc ça, c'est des choses qui, aujourd'hui, on recherche quand on est consommateur. Bon, là, je parle, c'est le consommateur qui parle, ce n'est pas celui qui est devant vous qui parle. Naturellement, Canal Plus aussi, remercier Canal Plus, bon, je ne sais pas si tu peux me remercier, c'est autorisé, non? Donc, remercier aussi Canal Plus d'être partenaire. Donc, notre partenariat s'inscrit dans, effectivement, notre ambition de pouvoir d'abord supporter les jeunes. Ça fait cliché de dire que la jeunesse est l'avenir, mais c'est vrai. C'est la jeunesse qui va prendre la relève, c'est la jeunesse qui développe et qui demain va pouvoir produire et développer le pays. Donc pour nous, c'est déjà cette politique de soutien à l'entrepreneuriat jeune qui fait que nous sommes partenaires de l'émission BF1, Pépite d'entreprise. Mais aussi, c'est notre façon de soutenir l'entrepreneuriat. Comme ce que j'ai dit, c'est l'entrepreneuriat qui va développer le pays. Le mot développer, je l'utilise avec prudence. Parce qu'aujourd'hui, on a des notions économiques de pays développés, pays sous-développés. À l'époque, on parlait de tiers-monde, PPT, enfin, plein de choses. Donc, je l'utilise avec beaucoup de prudence. Ce n'est pas l'objet de la discussion. Mais quoi qu'il en soit, c'est ce qui va nous apporter, ce qu'il nous faut pour notre épanouissement. Parce que ce qui me développe n'est pas forcément ce qui développe mon voisin. Mais si je trouve les modèles qui, moi, me permettent de m'épanouir, je serai développé. Et c'est souvent dans la comparaison qu'on a l'impression qu'on n'est pas développé, encore qu'on n'est pas en avance. Donc, pour nous, c'est une grosse fierté de pouvoir, en tant qu'entreprise citoyenne, contribuer humblement à ce développement. L'entreprise, donc le groupe Canal+, vous avez les chaînes, donc Canal+, avec les déclinaisons. Vous avez les boucliers Canal+, et enfin la marque. C'est fondamental parce qu'en tant que marketeur, pour moi, la marque, c'est le cœur d'une entreprise. Et aujourd'hui, quand on achète une entreprise, la marque, le logo, est valorisé à des milliards de dollars pour des marques comme IBM, comme Microsoft, comme Canal+, comme Samsung, comme Google, comme Apple. Donc, la capacité à pouvoir développer une marque, c'est ce qui fait généralement que les entreprises arrivent à être pérennisées. On fait la même chose à un moment donné. J'ai entendu, il y a des gens qui font des chips, des épices, du gingembre, potentiellement des jus, potentiellement, vous allez faire la même chose. Mais qu'est-ce qui va faire que, au moment où j'arrive dans une alimentation au niveau du rayon, je vais prendre le jus A par rapport au jus bah, pourtant, il n'y a fondamentalement pas de différence. À un moment donné, c'est la marque et ce qu'elle représente que les gens vont payer. Donc, c'est important dans votre cheminement de vous dire comment est-ce que j'arrive à établir mon entreprise comme une marque, comme une référence, comme quelque chose sur lequel les gens s'identifient.
Quand vous allez dans une boutique pour acheter un détergent, vous dites que vous allez acheter quoi? Merci. Quand vous voulez acheter un stylo, vous dites que vous allez acheter quoi? Quand vous voulez acheter un thé à infusion, vous dites que vous allez acheter quoi? Lipton. Quand vous voulez acheter du café soluble, quand vous voulez regarder les matchs, vous allez dans un canal. Tout ça, c'est parce que la marque est extrêmement forte et ça devient la référence même de la concurrence. Au point où il y a des gens effectivement qui n'ont pas de honte à utiliser le nom de la marque encore du produit de leurs concurrents pour pouvoir vendre les leurs. Parce que la marque est devenue très importante. Et c'est ce que moi, je peux vous conseiller déjà de vous dire, au-delà de tout ce que je fais, comment est-ce que j'arrive à m'établir comme une marque. Aujourd'hui, quand on voit une tête avec des rastas blonds, ça nous fait penser à qui? Je ne suis pas sûr. Blond. Dans le football. Bansé. C'est sa marque. OK? Donc, c'est sa marque. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin de dire son nom. Dès qu'on voit cette image, on sait que c'est M. Bansé. Mais c'est un individu. Il n'a pas d'entreprise. Mais rien que le fait de dire que j'utilise Bansé pour faire quelque chose, ça lui fait de l'argent. Et pour la personne qui va le solliciter, ça lui fait de la notoriété. Ceux qui aiment Bansé vont pouvoir s'identifier, vont pouvoir s'associer et ça fait des ventes. Donc, voilà ce que je pouvais dire en introduction sur Canal+. Donc, l'entreprise, les chaînes, la marque et aussi l'offre. Et qu'est-ce que nous faisons à Canal+? Là, je dis Canal+ tout court. Nous sommes dans l'industrie de la télévision payante. Donc, quand on dit la télévision, nous allons jamais voir les téléviseurs. Il y a une différence entre la télévision et le téléviseur. On regarde les téléviseurs, mais l'industrie, c'est la télévision. Donc, le téléviseur, c'est l'appareil qui nous permet de pouvoir recevoir les images, recevoir les contenus. Mais l'industrie, c'est la télévision. Le fait de pouvoir voir des choses à distance. Donc, nous sommes dans le domaine de la télévision. Et c'est la télévision payante. Parce qu'il y a la télévision gratuite, comme la TNT, et il y a la télévision payante. Et pour faire de la télévision, il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup de technologies, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Donc, on peut faire de la télévision soit avec le satellite, soit avec la TNT, donc il y a une télévision avec une technologie terrestre. On peut le faire aussi avec Internet, donc les web TV. On peut le faire aussi avec la fibre, qui va pouvoir être le canal par lequel les programmes vont être acheminés vers le client. Et dans le domaine de la télévision, il y a généralement quatre grands acteurs. Et c'est bon de connaître son industrie, parce que si on ne connaît pas son industrie, on ne va pas connaître les acteurs et ceux qui influent. Nous ne sommes pas seuls dans notre environnement. Nous sommes dans un État avec ses politiques, on est dans une société avec sa culture et ses pratiques, etc. etc. Donc, c'est bon de connaître son environnement et sa culture dans lequel on travaille afin de pouvoir ne pas faire des erreurs qui peuvent être fatales. Des fois, ce n'est pas les ventes qui peuvent rendre l'entreprise pas solvable, mais ce sont les facteurs culturels qu'on n'a pas forcément regardés et qui après se retournent contre nous. Donc, dans notre industrie, on a essentiellement quatre acteurs. Le premier acteur, on l'appelle le producteur. Qui est un producteur? Le producteur, c'est celui qui met son argent, ses moyens, pour pouvoir produire quelque chose. Donc, je prends typiquement le cas du football. Lorsque, par exemple, la CAF veut faire la CAN, la CAF n'a pas les moyens de mettre des caméras sur un terrain pour diffuser un match. Mais la CAF a les droits de la CAN. La CAF va faire appel à ce qu'on appelle un producteur, qui est une personne externe qui a les capacités techniques, ressources humaines, matérielles, financières pour pouvoir produire la CAN. C'est pareil pour un film. Quelqu'un a l'argent, ou même dans la musique. Vous avez le talent, mais vous ne pouvez pas mettre financièrement de l'argent pour pouvoir produire votre musique. Donc, faites appel à un producteur qui va produire et qui a les droits sur ce qu'il produit. Puisque la CAF va céder les droits donc, à les vendeurs. Donc là, je suis toujours sur l'exemple des films, du football. Et le producteur, qui n'est pas Canal+, je précise, donc sur un terrain de foot, en tout cas dans une compétition, vous ne verrez pas une caméra de Canal+. Si vous voyez une caméra de Canal+, c'est qu'on a juste décidé de mettre des caméras pour faire un focus sur un joueur en particulier, pour nos émissions qui nous sont propres. Mais ce n'est pas pour pouvoir prendre les images diffusées. Donc, premier mythe à faire tomber sur Canal+, c'est le fait de penser que c'est nous qui filmons, c'est nous qui diffusons. On ne filme pas. On prend ce que quelqu'un a filmé. Mais comment on prend ça? On achète. Le producteur décide que j'ai la capacité de produire, mais je n'ai pas de chaîne.
Je n'ai pas débooké, je n'ai pas diffusé. Qu'est-ce que je fais? Je mets les droits en vente aux enchères. Et c'est au plus offrant. Et c'est, disons, par l'eau. C'est un peu comme un appel d'offres. Donc, est-ce que vous voulez diffuser seulement en satellite? Est-ce que vous voulez diffuser en radio? Est-ce que vous voulez diffuser en Internet? Est-ce que vous voulez diffuser en... Est-ce que vous voulez diffuser seulement dans votre pays? Est-ce que dans votre région? Est-ce que dans votre continent? Est-ce que c'est dans le monde? Donc, en fonction de l'eau, naturellement, les prix vont être plus élevés. Et chaque... Donc, je vais revenir sur ça. Chaque diffuseur va aller acheter les droits en fonction de ses moyens et de ce qu'il veut. Canal+ va dire, nous sommes présents en Afrique sur une quarantaine de pays. Nous allons acheter pour pouvoir diffuser en Afrique sur une quarantaine de pays. Mais nous savons aussi que quand on diffuse, il y a la télé, mais aussi le fait que pour ceux qui ont les solutions MyCanal, ils peuvent regarder sur la tablette. Donc, on va aussi rajouter les droits Internet. On sait aussi qu'on va potentiellement diffuser sur les radios. On va également ajouter des droits radio. Donc, à la fin, on a des droits qui nous permettent d'être diffusés sur les territoires où nous sommes, francophones généralement. On peut avoir ça dans un pays anglophone, mini-lusophone. On va pouvoir le voir sur la télé. On va pouvoir l'écouter potentiellement à la radio, également le suivre sur Internet. À côté, il y a d'autres chaînes également. Naturellement, quand on paie à ce niveau-là, le prix est très élevé. Donc, à côté, il y a des gens qui vont aller payer pour dire, OK, moi, ma clientèle, c'est seulement le Burkina ou encore la Côte d'Ivoire. Et moi, ma clientèle, c'est essentiellement à la télé. Je vais peut-être rajouter la radio. Donc, je ne veux pas aller prendre le lot où il y a satellite, où il y a Internet, où il y a. Je veux seulement prendre le lot local, terrestre et sûrement dans mon pays. À partir de maintenant, on comprend que le producteur a cédé les droits, mais avec des limitations. Donc, si je paye ces droits-là, je ne peux pas les diffuser en dehors de ce qui m'a été autorisé. Cependant, donc c'est là où ça devient encore un peu plus compliqué. Je suis vu potentiellement sur la TNT ou encore sur le satellite. Rappelez-vous, je disais au début que quand je paye les droits soit terrestre, donc la TNT, ou encore satellite. Si je n'ai pas payé les droits pour être vu sur le satellite, qu'est-ce qui va se passer? Là, je vous pose la question. Si, en tant que chaîne de télévision, Zorom TV, je n'ai pas payé les droits pour être vu sur un bouquet satellitaire, qu'est-ce qui va se passer, logiquement, si on suit la réglementation? Oui? Il va? Non, d'abord, il ne va pas voir les images. C'est quand il ne voit pas les images, maintenant, qu'il va se plaindre. OK. La question, maintenant, c'est à qui la faute? Le distributeur, lui, ne voit que Canal+. Exact. Il va dire que c'est à Canal+, la faute. Ouais. Parce que lui, il ne comprend pas tout le circuit. Et c'est Canal+, seulement, qui connaît le circuit. Exact. Mais, et à un moment donné, si le distributeur est au, par exemple, un petit spot où le distributeur connaît déjà le circuit, mais demain, il va passer plainte. Parce que Canal+ reçoit beaucoup de plaintes. Le client plutôt. Parce que Canal+ reçoit beaucoup de plaintes. Exact. Voilà. Donc, il n'y a que par ce spot, peut-être que bon, nous, les consommateurs, il n'y a que par exemple aujourd'hui que j'ai compris le circuit. Demain, moi, je ne peux pas me plaindre. S'il y a quelqu'un qui veut se plaindre demain, moi, je vais lui expliquer le circuit. D'où l'intérêt pour moi d'être devant vous ce matin, voilà, pour pouvoir partager ça. Et je le fais à chaque fois que j'ai l'occasion. J'ai pris beaucoup de temps pour en parler parce qu'on va se retrouver dans des cas où on ne sait pas quelle est notre zone d'activité. Quelles sont les limitations juridiques? Et on peut se retrouver à avoir des problèmes avec la loi. Parce que si jamais une chaîne qui n'a pas autorisation à être diffusée sur le satellite passe chez nous, le producteur qui a le droit va dire « Mais qu'est-ce qui s'est passé? On ne t'a pas autorisé à faire ça. Tu vas payer ?» La chaîne va dire « Non, moi, j'ai demandé qu'on me coupe. » Et j'ai en masse ce qui se passe. Ce que les gens ne savent pas, c'est que quand il y a un match qui doit passer sur une chaîne dont elle n'a pas le droit, la chaîne prend l'initiative de contacter Canal+ pour dire « Pour ce match, de telle à telle heure, je n'ai pas le droit d'être diffusé sur le satellite, donc je vous prie de bien vouloir couper mon signal pendant la période. » Le deuxième type d'acteurs, ce sont les acteurs. Donc, c'est une répétition, acteurs sont les acteurs. Et le producteur, là je parle par exemple d'un cas de cinéma, va aller faire appel à des acteurs pour venir jouer dans son film. L'acteur signe des droits de cession d'image, il prend son cachet, il cède les droits d'image pour une période précise. Donc, le producteur fait appel à des acteurs pour pouvoir réaliser son film. Et une fois qu'il a réalisé, il va faire quoi avec? Il faut qu'il... Je m'ai entendu? Il faut qu'il le rentabilise. Il faut qu'il la diffuse. Effectivement, un film produit sur une clé USB ou encore sur une cassette magnétique ne sert à rien, elle n'est pas diffusée. Donc, le troisième groupe d'acteurs dans la télévision PN, ce sont les diffuseurs. Donc, BF1, c'est un diffuseur. Donc, vous avez les producteurs, vous avez les acteurs, vous avez les diffuseurs et enfin, vous avez les distributeurs.
Donc les distributeurs, ce sont les opérateurs qui distribuent les produits donc, de la télévision payante. Et en bout de chaîne, Canal Plus Burkina est maintenant une filiale de distribution à travers un réseau de distribution qui est composé de nos boutiques en propre, donc, comme celle de Koulouba, Pissigunguin, également à Bobo, et des équipes qui sont sur le terrain. Donc quand vous les voyez au bord de Carrefour, ce sont nos vendeurs et c'est un grand vecteur de pouvoir vendre la télé. Donc en tant qu'entrepreneur et enfin les distributeurs qui sont qui ont le plus vaste réseau, qui vont encore plus loin dans les villes, dans les quartiers, afin de pouvoir vendre les produits. Donc quand vous êtes un entrepreneur, la distribution elle est fondamentale. Vous avez beau produire, vous avez beau avoir des idées, si votre produit n'arrive pas chez qui, donc chez le client ou encore chez le consommateur, je ne suis pas sûr que vous allez faire du chiffre. Donc la distribution, elle est fondamentale. Et il faut toujours réfléchir à ce que je fais s'adresse à qui. Et on va au-delà, qui paye et qui consomme. À la maison, qui paye la télé? C'est nous. Qui consomme la télé? Les femmes. D'accord? Donc, en tant qu'entrepreneur, qui est votre client? Qui est votre consommateur? Les consommateurs prescrivent, les clients payent. Les clients payent également le consommateur. Si je vais dans un restaurant acheter à manger, je suis client, je suis à la fois le consommateur. Parce que c'est moi qui vais à la fin consommer le produit. Donc celui qui regarde la télé, c'est lui notre consommateur. Et les programmes qu'on fait, c'est pour lui. Mais aussi, on sait qui paye. Donc on sait influencer le consommateur pour influencer le client pour qu'il vienne payer. Donc ça fait que quand l'image, là, on dit l'abonnement va finir, qu'est-ce qui va se passer? Les petits là-bas appellent papa pour dire attention, papa, le message dit qu'abonnement va finir. Si tu ne réabonnes pas avant la fin pour avoir la semaine généreuse, on va perdre nos images. Donc ce sont des politiques pour pouvoir s'assurer qu'on ne perd pas les images, mais aussi les clients restent actifs. Donc qui est mon client? Qui est mon consommateur? Ça, c'est important. Donc le réseau de distribution est fondamental. Si c'est un produit de consommation de masse, alimentation, quincaillerie, où est-ce que les gens paient les articles de masse? C'est là-bas où il faut aller vendre son produit. Si je fais un produit de consommation de masse et j'ouvre des boutiques dans les quartiers pour dire quittez Pissi pour venir à Tampu ou encore pour venir à Wemtenga, acheter un sac de 1000, alors que dans là, je parle en tant que client, je paye le sucre, le savon, l'huile dans l'alimentation. Ne me demande pas de payer ce que je peux payer chez moi au quartier, de me déplacer dans un autre quartier. Tu ne payes pas mon essence, je suis un peu sévère dans ça. Qui paye mon essence? C'est moi. Mon déplacement? C'est moi. Les risques que je prends, c'est moi. Par contre, si je veux acheter une voiture ou encore un téléphone, je suis prêt à quitter chez moi, aller en ville, parce que l'achat, il est beaucoup plus réfléchi. J'ai pris le temps de t'acheter des fois, je le considère comme un investissement. Donc, c'est de pouvoir distinguer c'est quoi le produit que je vends, qui est la cible et comment la cible consomme. Où est-ce que est la cible? Et même dans la clientèle, il y a deux types de clients. Il y a les clients B2B, ça c'est quel type de clientèle? Les clients entreprises. Et la clientèle B2C, qui est la clientèle grand public comme nous. Typiquement, tout à l'heure, il a montré des épices. C'est bon. Qui sont les clients des épices? Ce sont les... J'ai pas entendu. Les femmes? Les ménages? Est-ce que les restaurants ne sont pas aussi des clients? Oui. Donc... Mais ça, si on ne se pose pas cette question, on ne va pas forcément savoir vendre. Alors que les B2B, ce sont de gros volumes. Un restaurant ne va pas payer un sachet, il va payer un carton. Donc, il faut être capable de pouvoir déterminer tout ça. On peut s'adresser à la fois aux individus ou encore aux entreprises. Donc, à ce moment, le packaging ne sera pas la même, les consommateurs ne seront pas les mêmes. Donc, pour un individu qui veut juste un petit sachet pour pouvoir mettre dans son thé, on aura besoin d'un carton. Mais celui qui est capable d'acheter un carton parce qu'il consomme beaucoup également, c'est son choix. Donc ce sont un ensemble de choses à réfléchir sur le produit. Parce qu'au-delà de créer les produits, il faut regarder tout ce qui tourne autour du produit. Vous qui êtes les entrepreneurs, vous êtes les bâtisseurs de la nation. Donc je ne peux que être fier de pouvoir être devant cette illustre assemblée et de pouvoir échanger avec vous sur ma petite expérience. Herman a exagéré, il ne faut pas l'écouter. Il a beaucoup exagéré sur ma petite expérience. Quelqu'un disait que si je vous donne 1000 francs, moi j'ai 1000 francs en moins.
Vrai ou faux? Si je vous donne une orange, si moi j'ai deux oranges, je vous donne une orange, moi il va me laisser une orange. Mais si je vous transmets un savoir, est-ce que je perds les miens? Je ne le perds pas. Donc la conclusion est que quand tu partages un bien tangible, forcément quelqu'un va perdre quelque part. Mais quand c'est un bien immatériel, c'est un double gain. Celui qui partage gagne plus et celui qui reçoit également va gagner. Donc c'est dans cette optique que nous, on n'hésite pas à prendre des stagiaires, qu'ils soient dans le domaine technique ou encore dans le domaine commercial. Et ça peut intéresser des gens également ici potentiellement de pouvoir être, avoir des stages chez nous, pouvoir davantage se perfectionner. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, c'est un cheminement qui est très long et il est presque sans fin. Les entreprises aujourd'hui qui ont plus de 100 ans et leurs fondateurs, ils ne s'imaginent même pas que l'entreprise va être ce qu'il est aujourd'hui. Je prendrais par exemple Coca-Cola. Et on voit souvent des photos de bouteilles de Coca-Cola à ses débuts. Les fondateurs qui l'ont lancé, ils ne savaient pas que ça allait être comme ça. Nestlé, c'était un truc de pharmacie. C'était un produit pharmaceutique, mais aujourd'hui, c'est devenu les laits, tout ce qu'on voit, c'est devenu courant. Et les fondateurs à l'époque ne s'imaginent pas que ça allait être cette envergure. Donc l'entrepreneuriat, pour moi, c'est un processus sans fin. Vous initiez, vous développez, vous construisez votre empire, mais votre empire doit. Un empire est amené à perdurer. Un empire, il ne faut pas laisser tomber votre empire. On a aussi beaucoup d'activités de sponsoring. Alors, je vais un peu titiller certaines personnes sur le sponsoring. Je vois souvent des affiches d'événements culturels ou encore d'événements sportifs où la personne met « Annonceur, associez votre image à mon événement. » Annonceur, associez votre image à mon événement. Annonceur, venez profiter de mon événement. Vous êtes une marque comme Coca-Cola. Vous êtes une marque comme Nestlé. Si vous voyez ça, qu'est-ce que vous allez penser? Si vous le faites, il faudrait inverser les discours. Oui. Voyez un peu comment ça se fait. Nous, quand on voit ce genre d'annonce, voyez comment ça résonne chez nous. Ce n'est pas une question de qui a besoin de qui. Ce n'est pas une question de qui doit profiter de qui. À la base, c'est pas ça la question. Mais quand tu dis, annonceur, viens associer ton image à mon événement, viens profiter de mon événement, qu'est-ce que l'annonceur va penser? Mais quand tu dis, donc quand le promoteur dit, annonceur, venez, nous allons ensemble. Comme ça, chacun apporte quelque chose, chacun gagne quelque chose. Mais on sait au fond que le promoteur, il est beaucoup plus demandeur que celui qui propose, que celui qui offre. Mais ils vont dire non, c'est pour ça que je dis je vais fâcher des gens, mais ce n'est pas méchant. C'est juste une observation que je fais. Et il faut des fois changer le discours pour dire ok, c'est une aventure et j'aimerais qu'on chemine ensemble dans l'aventure. Si effectivement ma ligne de sponsoring, ma ligne éditoriale, ma ligne de soutien, disons, rencontre ta ligne de mission, il n'y a pas de problème. Si dans ma ligne de sponsoring, c'est le sport, la culture, effectivement, vous me dites ok, viens, nous allons ensemble faire la promotion du sport, je ne sais pas moi, à Fada, même s'il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. C'est vrai. Il n'y a pas de route. Est-ce que c'est faux? Est-ce qu'il y a même quelqu'un de Fada ici? Est-ce qu'il y a un Tombiano, un Lankwande? Fada me dit ça depuis le début, elle est restée dehors. Hein? Un esclave n'est pas venu m'écouter parler. Comment ça va? D'importer. Ah, quoi. Donc, quand vous êtes un promoteur de spectacle, véritablement, il faut réfléchir à le message que j'envoie, comment il est reçu, comment il est interprété. Ça, c'est important. Donc, c'est juste un aparté sur la question du sponsoring. Donc, là, typiquement, on est sponsor de public d'entreprise parce qu'effectivement, ce que l'émission propose et ce que nous voyons, nous avons comme vision pour le Burkina Faso, ça s'est rencontré, ce qui fait qu'on est ensemble et on chemine ensemble. On est également sponsor du FESPACO, donc le FESPACO qui... heureusement, a été ramené en octobre. Donc, vous allez nous voir présents parce qu'effectivement, les cinémas, c'est nous. Qu'il soit la production, la promotion, la diffusion, en tout cas, nous sommes en plein dans cette industrie. Et s'il y a des gens ici qui sont dans ce domaine et que vous avez besoin d'accompagnement dans les cinémas, ce n'est pas Canal Plus Burkina qui est une filiale de distribution qui va vous aider, mais c'est Canal Plus Group. Cependant, notre rôle, c'est de vous écouter, de vous guider et de vous amener à Canal Plus International, encore à A+, qui fait également de la production pour pouvoir vous aider. Là, maintenant, on va juste échanger sur des conseils. Comme ce que j'ai dit, honnêtement, je ne suis pas sûr de pouvoir vous donner des conseils.
Je pense plutôt que je dois prendre des conseils avec vous. Mais je vais lancer des thèmes sur lesquels vous pouvez noter. Et après, si vous avez besoin, donc, quand on échange profondément, on peut échanger. J'ai une formation marketing, commercial, service clientèle. Ça fait que je ne peux pas m'empêcher de mettre les clients au centre. Et moi, le premier conseil que je donne à toute personne qui s'adresse à toute personne, c'est les clients « customer first » comme on dit en anglais. Si je suis... Vous êtes mes clients, par exemple. Donc, tout ce que je fais, c'est pour vous. Je peux me tromper comme je peux toucher ce que je recherche, mais vous êtes mes clients. Si vous êtes un médecin, vous avez des patients, mais qui sont en réalité vos clients. Vous les soignez, mais aussi, il y a de l'expérience à pouvoir les faire vivre. Si vous vendez, vous proposez des... Si vous êtes un enseignant, typiquement, les apprenants, ce sont vos clients. Parce que vous voulez leur adresser, vous voulez convaincre, vous voulez changer, vous voulez pousser à une action. Donc, si tout ce que nous faisons ne centre pas autour des clients, à la fin, c'est beau, mais est-ce que ça va nous servir? Si tant est que notre objectif, c'est de servir des clients et des marchés. Donc, c'est qui est mon marché, qui est mon client? Et ça aussi, on peut en parler pendant des jours et des jours. Il y a tellement de choses à dire, mais c'est véritablement de se dire, OK, qui est la personne de mon client? Quels sont ses points d'insatisfaction? Et quels sont aussi ses points de satisfaction? Donc, qui est mon client? Qui est son persona? Il vit où? Il fait quoi? Il consomme comment? Est-ce que c'est celui qui préfère rester chez lui acheter de façon virtuelle? Ou bien celui qui, quoi qu'on fasse, il faut qu'il l'ait acheté physiquement? Ou bien c'est un mélange des deux? Si vous n'arrivez pas à décrire le persona de votre client, vous allez proposer des choses, mais qu'il ne va pas forcément rencontrer son persona. Donc, les clients d'abord. Les clients est un roi, même si on sait qu'au fond, des fois, il est obligé de venir chez vous. Le vrai roi, c'est les clients, même si on sait que des fois, il est obligé de venir chez vous. On sait qui est le vrai roi. Mais le client est roi. Customer first. Aussi bien dans la conception, dans la communication que dans la distribution, si on ne se centre pas sur les clients, on va rater. Toi, là, je donne l'exemple. Je vends du riz local burkinabé. Au lieu de le distribuer dans l'alimentation du quartier, je préfère aller ouvrir un point de vente et dire au client, voici les boutiques dans lesquelles je peux acheter. Qu'est-ce qui va se passer? Les clients qui achètent les riz, ils l'achètent là où ils achètent l'eau, là où ils achètent le sucre, là où ils achètent le lait, etc., etc. C'est rare que tu achètes le riz là où tu achètes les chaussures, ou encore là où tu te coiffes, ou encore là où tu achètes les pagnes. C'est rare aussi que je me lève, je prenne ma moto, traverser un quartier pour aller acheter du riz dans un autre quartier. Sauf si c'est un riz médical, c'est un riz particulier et qu'on me dit que tu ne peux que manger ce riz-là. Donc, si je fais toute cette analyse, comment est-ce que je vais vendre mon riz? Il faut que je vende mon riz là où les clients payent le riz. C'est dans l'alimentation. Et les distributeurs sont fondamentaux dans l'acheminement du produit. Parce que je produis, mais à un moment donné, il y a quelqu'un, je paye le contrôle de mon produit lorsque je le passe à un distributeur. Je peux communiquer, je peux, mais lorsque le distributeur prend mon produit pour aller vendre dans son point de vente, c'est maintenant lui le patron. Donc, il faut que je fasse attention à mon distributeur. Et le deuxième conseil que je donnerai, ce sont les distributeurs. Je ne peux pas ne pas penser à mon ami encore, parce que moi également, je fais la distribution. Il faut d'abord savoir qu'est-ce que je vends, comment je les vends, et qui sont ceux qui distribuent mes produits, et qu'est-ce que je dois faire pour m'assurer qu'ils distribuent mes produits. Les produits tels que, disons, achalandés, dans les alimentations, des fois, c'est fait n'importe comment, mais ce sont les techniques pour y arriver. Quand je rentre dans l'alimentation, c'est difficile pour moi de me courber pour pouvoir voir les produits en bas. Donc, généralement, les produits qui sont au niveau poitrine, c'est compliqué. Ce sont les produits qui sont au niveau, à hauteur de regard, qui sont généralement les plus... Les produits sont les mêmes. On va rajouter des faux trucs, Samsung, iPhone, c'est les mêmes. Bon, on ne s'imagine pas que je dis ça, mais c'est les mêmes. Mais, des fois, ce sont des petites différences. Et c'est la manière dont c'est distribué qui fait que je vais acheter. Donc, quand je vais acheter du sucre, bon, on dit de faire la promotion du produit burkinabé, mais si je ne trouve pas de sucre, c'est ce que je vais acheter. Je vais acheter ce que je veux. Moi, il faut que j'ai du sucre à la maison. Vrai ou faux? Si je vais acheter du lait, on a beau dire d'acheter du ou encore du miel, on a beau dire d'acheter du miel de Fala. Ça, par contre, je vous félicite pour ça. S'il n'y en a pas, je vais acheter le miel qui vient de Dubaï ou encore qui vient d'Espagne, je ne sais pas où. Et ça, la distribution, elle est fondamentale. Donc, le premier, ce sont les clients. Le deuxième, ce sont les
distributeur. Et ça, il faut déjà se dire, comment est-ce que mon produit va être distribué? Le client qui va dans le point de vente, quelle est l'expérience qu'il a avec mon produit? Est-ce qu'il le voit? Est-ce que même les caissiers qu'on néglige des fois sont contents de mon produit? Est-ce que les gens qui sont dans les rayons qui tournent, qui disent « Ah ok, j'ai besoin d'un renseignement, où est-ce qu'on peut trouver ça ?» Est-ce qu'ils sont contents de mon produit? Si on ne regarde pas tout ce contour, on va avoir des produits qui vont prendre la poussière dans les alimentations. Parce que l'alimentation, c'est un mélange de tout. Dans lesquels, quand j'arrive, il faut que je trouve ce que je cherche. Je vais me renseigner. Je vais chercher. Si je ne trouve pas, je vais me renseigner. Donc la distribution, elle est fondamentale. Et encore une fois de plus, la distribution va dépendre de quel est le type de produit que vous avez et comment vous le distribuez. Donc, pour revenir encore sur les clients, là maintenant, je vais dire pourquoi est-ce que je parle de... Je dis, je n'aime pas le mot satisfaction. De plus en plus, on ne parle pas de satisfaction, on parle d'expérience. Les entreprises qui ont orienté clients n'ont pas de service client, ils ont un service expérience, ils ont un service expérience client. Pourquoi? Si on augmente mon salaire aujourd'hui de 10 francs, je vais être content. Mais quand je sors, je vais acheter un produit de 20 francs. Après avoir acheté un produit de 20 francs, est-ce que la satisfaction d'avoir eu 10 francs de plus sur mon salaire, elle est encore tenable? Non. Si vous vendez un produit à 50 francs, le client vous dit non, c'est cher, il faut le vendre à 45 francs. Vous vendez à 45 francs, quelqu'un vend un produit à 40 francs, votre produit n'est plus satisfaisant pour lui. Vous avez baissé, c'est vrai, mais il n'est pas satisfait. Même si personne d'autre ne fait le même produit que vous, le moment où il perd votre produit à 45 francs, deux mois après, il va venir vous dire de faire ça à 20 francs. Est-ce que c'est tenable pour vous? Je ne sais pas, ça dépend. Mais je pense que non. Parce qu'on dit, nous en marketing, c'est de pouvoir satisfaire les clients de façon rentable pour l'entreprise. Donc chacun gagne son compte. La satisfaction, c'est une notion qui est temporaire, éphémère et à court terme. Ce qui me satisfait, ce qui me motive, une fois que ce facteur me motive, c'est comme en fait la pyramide de Maslow. Une fois que je passe une étape, j'ai envie de passer une étape supérieure. Même quand je suis au sommet, je ne peux pas redescendre, mais si on peut ajouter encore un autre sommet, je vais encore chercher. Donc, la satisfaction aujourd'hui devient de plus en plus un terme qui est obsolète. Parce que beaucoup proposent la même chose. Les clients ont le pouvoir avec tout ce que les outils nous donnent aujourd'hui. Il peut aller vérifier, il peut aller comparer. Il a le contrôle de ce que vous dites. À une époque, j'envoie un message, c'est une communication comme ce qu'on dit, one way. Le client regarde la télé, il peut dire toujours devant la télé de ma pub, mais il ne peut rien faire d'autre. Par contre, si le responsable de communication publie une promotion, dès l'instant où le message il a affiché, publié, il n'a plus le contrôle de ce qui va se dire après. Donc ça fait que ce que le premier commentateur va dire, ça va influencer le reste. S'il est content, le reste va être content. Même ceux qui n'étaient pas contents, ils vont devenir contents. S'il n'est pas content, ça va influencer tout le reste. Donc la satisfaction reste éphémère. Il y a beaucoup de facteurs qui font que la satisfaction ne tient plus. Il faut plutôt chercher à faire vivre une expérience. Et comme ce qu'on dit, on dit souvent de traiter les gens comme on veut être traité. Ça non plus, ça ne tient pas. Ce qui me satisfait, me rend content, n'est pas ce qui rend content mon frère ou encore ma soeur. Ce qui me rend content, c'est ce qui, moi, toute ma vie, l'éducation, la religion, les voyages, la formation, c'est ce qui me rend content. Et tout ça forme ce qu'on appelle l'expérience. Donc, c'est de pouvoir traiter les gens comme ce qu'ils veulent être traités. Mais ça aussi, pour le faire, il faut les connaître. C'est pour cela qu'il faut pouvoir parler avec nos clients. Pas forcément demander ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, mais parler seulement. Mais c'est d'en parler que des choses vont ressortir. Quand un sujet est lancé, en fonction de comment est-ce que les gens interagissent, en fonction des positions qu'ils prennent, on sait qu'est-ce qu'il est, s'énerve, qu'est-ce qu'il est, leur donne la joie. Et là, par exemple, en service clientèle, on va jusqu'à diviser les clients par des catégories. On va dire par exemple un exemple. Il y a des clients qu'on appelle des clients de type généraux, général de l'armée. Donc imaginez comment un général parle. Imaginez comment un général marche. Imaginez comment un général s'adresse à ses troupes. Imaginez comment un général demande. Maintenant, à côté, on a des clients qu'on appelle de type social. Les gens qui aiment, pour saluer ces 5 minutes, il va demander toute la famille, les collègues, le travail, ceux qui connaissent, qui ne connaissent pas. Donc, si vous avez en face ces deux types de personnes, est-ce que vous allez parler à celui qui a plutôt des aspirations sociales de la même façon que celui qui a plutôt des comportements de général? Non. Le général, il a son expérience, était formé par l'armée. Lui, quand il arrive, je veux ça. Ton argumentation, de non. C'est pas ce qui l'intéresse. Il sait ce qu'il veut. Il donne des ordres. Il faut exécuter. Et en tant que celui qui sert un client, il faut que je puisse refléter son expérience. Donc, des fois, on aimerait être comme des caméléons.
Mais celui qui arrive, qui commence à dire, il tape même à la porte de la boutique, même si c'est ouvert. Il y en a un qui a envie d'enlever les chaussures avant de rentrer. Donc, si vous êtes capable de détecter ça, vous savez déjà à quel type de personne vous avez affaire. Donc, c'est le gars qui est familial, social dans les quartiers, celui qui organise tout, il est devant les événements. Et si il commence à parler, il demande comment va la famille, vous dites ça va bien, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous vende aujourd'hui? Vous avez cassé son élan. Oui. Parce qu'il est venu en tant que social, il faut qu'on lui reflète son comportement encore, son attitude de quelqu'un qui est social. Il y a aussi un troisième type de client qu'on appelle un peu les types un peu intellectuels, ceux qui aiment porter les lunettes là. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Oui. Donc il va arriver à commencer d'abord à vous parler du satellite. Comment est-ce que le signal est émis? Comment il est encodé? Comment? Donc, si vous ne savez pas reconnaître ça et pouvoir lui dire, ben, tiens, ça je suis en train d'apprendre avec vous, expliquez-moi ceci. Vous le rendez content. Vous l'avez respecté, vous l'avez considéré. Ce que vous allez vendre, il va acheter. Parce qu'à la base, vous l'avez mis sur un piédestal. Il ne va pas vouloir redescendre. Donc, une fois de plus, l'expérience client est fondamentale dans ce que vous faites. Des fois, et malheureusement, c'est ce qu'on remarque beaucoup, et moi, c'est des choses sur lesquelles je n'hésite pas à donner des conseils. Vous êtes dans un restaurant ou encore dans un endroit où on reçoit des clients. Quelqu'un va dire non, un client ne me traite pas comme ça. Ce client, il est chien, il est énervant. Non, il est comme ça. Même au quartier, au grain, tout le monde le connaît comme ça. Dans la famille, on le connaît comme ça. Dans l'équipe de foot du dimanche, on le connaît comme ça. Ou encore là-go, dans les copines, on la connaît comme ça. Ce n'est pas toi qui vas le changer en l'espace de 30 minutes pour manger du riz. Donc, il faut que tu puisses reconnaître d'abord qui est-ce qu'il est, pourquoi il est comme ça, et le traiter comme ça, le temps d'avoir ton argent, et il part. Et il va être content. Demain, qu'est-ce qui va se passer? On aime quand même là où on se sent bien. Il va revenir. Parce que hier, il vous a parlé de la théorie de la relativité. Demain, quand il va venir, il va vous parler de l'univers. Parce qu'il a des choses à partager. Ok? On va dire merci pour cette très belle présentation qui va au-delà de nos attentes, hein, pour ainsi dire, parce qu'on ne s'attendait pas à une présentation aussi riche, pas parce qu'on ne le connaît pas, mais parce qu'on se disait que ce qu'il allait plus nous apporter, c'était la présentation de Canal+. Mais il est allé au-delà, vraiment très au-delà, pour nous apporter plus pour la gestion donc de vos différentes entreprises. Et nous avons la chance donc d'avoir l'immense Swaibou Ba, le grand communicant donc, qui nous a rejoint également. Oui, moi c'est Belen Mamadou, je suis formateur en anglais et le promoteur du centre de langue Ubi Learning. Vous restez chez vous, vous apprenez l'anglais via notre plateforme en ligne et les plateformes de visioconférence. J'ai vraiment aimé l'intervention de M. Zoroum. J'ai beaucoup appris du fait que certaines personnes ou certaines structures utilisent la marque pour faire vendre leurs propres produits, de façon illégale, bien sûr. Et moi, c'est une inquiétude, vraiment. J'ai eu peur quand j'ai tapé Ubi Learning une fois et j'ai vu une autre page Facebook qui s'affiche. Et la personne reprend mes publications et voilà, elle est publiée. Et en fait, quelque part, je suis content parce que voilà, quand on copie, c'est parce qu'il y a quelque chose de bon dedans. Mais j'ai peur, j'ai vraiment peur parce que nous allons bâtir des empires. Et on travaille chaque jour à rendre la marque vraiment une marque privilégiée, une marque avec une image bien positive. Et tu travailles comme un âne pour construire quelque chose. Et quelqu'un vient et voilà, avec quelques mégas, un giga, il crée et puis il reprend tes publications. En fait, je suis content quelque part, mais j'ai peur en fait. J'ai peur, j'ai vraiment peur. Voilà, parce que je travaille du jour au lendemain pour construire Ubi Learning et voilà. Qu'est-ce que vous faites dans ce sens? Comment s'y prendre en fait? Ça fait des nuits, des jours, je réfléchis là-dessus. Je ne sais pas par où commencer. Merci. C'est une question qui est... Mais déjà, je trouve que l'idée de l'entreprise, c'est une très bonne idée parce que, enfin, aujourd'hui, quoi qu'on dise, l'anglais reste une langue universelle qui passe partout. Et la formation qu'on apprend dans les écoles n'est pas forcément celle qui nous permet de pouvoir l'utiliser comme outil de travail. Pour vous répondre, il y a une fois, j'écoutais un monsieur, c'était plus ou moins le sujet comme ça, où quand je crée quelque chose, comment est-ce que je m'assure d'avoir le crédit de la chose et de pouvoir l'utiliser? Et lui, il dit qu'il a créé un thème qu'il a appelé « news hacking ». C'est un peu littéralement traduit « piratage de l'information ».
il y a une actualité qui se crée. Il y a des gens qui profitent de ça pour pouvoir faire du base, mais surtout commercial. Mais son mot a été utilisé, mais lui, il n'a jamais demandé de crédit ou encore il n'a jamais voulu qu'on discute sur lui. Mais il est content d'avoir créé quelque chose qui est utilisé par des gens. Donc, mais lui, il n'a pas de problème. Parce que, quoi qu'il en soit, le jour où on va faire des recherches sur News Hacking, qui est l'origine, on va le trouver. Donc, lui, Ali, il n'a pas de problème. Mais pour votre cas, effectivement, c'est assez embêtant. C'est assez à la fois embêtant et risquant, mais c'est bon. Pourquoi je dis c'est bon? Je vais d'abord commencer par ça, puis après je vais après dire pourquoi c'est embêtant. C'est pas parce que, comme effectivement ce que vous avez dit, vous avez créé quelque chose qui inspire des gens qui copient. Malheureusement, ce n'est pas la bonne méthode. Ça vous crée de la visibilité. Ça, c'est la partie bonne, puisque quand lui publie, vous publiez, vous profitez de deux audiences. Quoi qu'il en soit, dans toute situation, il y a toujours le côté bon. Il reprend vos publications, il vous crée de l'audience, il vous crée de l'exposition et de la visibilité. Naturellement, c'est dans ça que le mauvais arrive. Puisque quelqu'un va voir, ça va l'intéresser, il va maintenant tester les produits. Le moment de décision, encore le moment d'appréciation, le moment de vérité, comme on appelle un service clientèle, va arriver. Il contacte, je veux une formation en anglais encore, je veux pouvoir améliorer mes capacités orales en anglais. Naturellement, il ne pourra pas faire le travail. Il n'a pas les outils que vous avez, il n'a pas la connaissance que vous avez, il n'a pas les méthodes que vous avez, il n'a pas ce que vous avez. Il va à la limite même de forme arnaquée. Malheureusement, ce qui arrive sur les médias sociaux, quelqu'un va prendre votre nom, ce que vous publiez, arnaquer, et naturellement, ça va jouer sur vous. Mais votre capacité à pouvoir faire la différence, déjà, va faire la différence. Mais à un moment donné, je pense que ça peut être juridique. Il y a plus de risques, que d'avantages. Parce que l'avantage, effectivement, c'est la visibilité à part ça, rien. Le reste, il n'y a que des risques. Quelqu'un va avoir une mauvaise expérience, il ne va plus entendre parler encore de Youth Learning, c'est ça? UB Learning. Il ne va pas vouloir en entendre parler. Il va même attaquer, vous allez vous asseoir un jour, on vient, on vous dit non, vous m'avez arnaqué de l'argent parce que c'est votre marque qui est utilisée pour arnaquer. Les temps que vous réalisez, ce n'est pas vous. Donc, ça peut demander de pouvoir que vous protégez déjà votre entreprise avec le nom, donc une existence légale, des fois même jusqu'à la propriété intellectuelle qui va vous permettre de pouvoir revendiquer la seule personne capable de l'utiliser et d'attaquer les gens. Parce que demain, si vous allez dire à quelqu'un, tu es en train de voler mon entreprise, qu'est-ce qui prouve que c'est pour vous? C'est votre capacité à pouvoir prouver qu'effectivement, légalement, c'est pour moi, ce crédit. L'autre possibilité également, c'est, ça va vous demander encore beaucoup de moyens, mais c'est comme ce que Bah a dit, communiquer et montrer la différence. Il y a des gens qui fraudent, et on voit des gens qui font la pub. Voici les vrais, voici les faux. Donc, quand vous faites face à ça, ce n'est pas moi. Comment distinguer? Voici ABC. Les numéros déjà font la différence. Si votre numéro c'est 1, 2, 3, 4, 5 et que les gars affichent 6, 7, 8, 9, 10, ce n'est pas vous. Donc, c'est de trouver les éléments qui montrent que l'authenticité de ce que vous faites pour vous distinguer de la différence. Mais il faut commencer à rechercher la personne et il faut que la personne arrête. Sinon, ça va vous créer plus de problèmes que de bien. Je complète juste un petit truc sur justement le digital, c'est sur Facebook. Oui. Il faut aussi inscrit ce réflexe de certifier, d'authentifier vos pages. Ça permet déjà de faire la différence, de savoir que c'est votre celle-là, c'est la vraie page et celle-là, c'est la fausse page. C'est un fait du badge bleu qui va être apposé à côté de votre nom. Ça ne coûte pas grand-chose. C'est un peu un travail de fond pour faire respecter votre page au standard Facebook et plus tard, vous demandez la certification dans les 40, 72 heures maximum, on vous l'accorde. Ça peut aussi contribuer à tuer le piratage sur Internet, en tout cas sur Facebook notamment. Bon courage à tous. Apprenons ensemble, grandissons et tout ce qu'on fait, Mandela a dit, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Soit vous allez gagner, soit vous allez apprendre. Bon courage à vous.